aujourd'hui on est lundi et comme vous le voyez je suis en Croatie avec Pierre et Vacances. Donc on est là pour découvrir un petit bout de Croatie avec d'autres blogueuses. Après la visite de Šibenik, on est dans un petit village juste avant le parc national de Kra. Je vais jamais arriver à prononcer le nom de ville ici. Mais c'est juste magnifique. Il fait chaud, mais il y a un petit air, donc c'est très très agréable. Ça me fait penser à un mélange d'Italie, de Portugal. C'est super beau. De cul parce que je sors du massage en fait. C'était génial, faire un petit massage. Puis là, c'est super beau quoi. C'est la fin de la journée, le soleil se couche. C'est trop beau, je vous montre. Aujourd'hui on est mardi. Aujourd'hui on va donc sur un bateau et on va faire plusieurs îles, un archipel quoi. C'est magnifique, enfin, ça a l'air magnifique. Voici le bateau qu'on prend pour les îles Kornati. Bonjour Sarah. Après le petit tour dans le lac, en fait, on va reprendre le bateau pour aller manger sur une autre île. On est rentré à la résidence et donc là je vais me faire une petite session natation dans ce petit terrain de jeu qui est quand même sympathique. Et demain on va aller en fait voir le coucher de soleil à Zadar avec les orques. Mais là c'est déjà pas mal du tout. Et si j'ai une tête un peu de plou, c'est parce que je suis allée nager. Je crois qu'on voit mon cul. Pardon ? Non, on voit pas ton cul sur ma vidéo, on te voit juste... en train de trafiquer un truc très bizarre. Bon alors aujourd'hui on fait du kayak. On va faire du kayak, ça y est on est équipé. Regardez-moi, c'est 31 degrés déjà. Can I have you just for a second? I will be your leader. We will go together. We will be group 8.
Pardon. Donc là on rentre dans la centre-ville qui est en fait complètement fortifiée sur une presqu'île et regardez-moi comme c'est mignon. Et donc à Zadar, il y a une orgue marine qui fait de la musique grâce aux vagues. C'est ce qu'on va aller voir. Il y a l'air d'avoir beaucoup de magasins de bonbons quand même. Hein. Une semaine très sportive dans le sens où j'ai pas vraiment eu le temps de m'entraîner parce que j'avais beaucoup de travail, donc le matin au lieu de je me levais mais je bossais, donc là je me suis dit bon bah que je pouvais bosser dans l'avion et que de fait ben bah, je pouvais au moins aller faire un peu de sport ce matin. En fait et qui est sur une presqu'île. C'est la fin de ce vlog, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas moi j'ai fait de belles rencontres, voilà, merci, c'était génial. Et pensez à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très vite, bye bye.